Je m'appelle Denis de Courchel et La persistance du froid est mon premier roman, premier récit, première fiction publiée aux éditions Kidam par Pascal Arnaud. Alors, si je puis dire, le but de la manœuvre est un peu abstrait. Ce que j'ai souhaité incarner ou faire apparaître dans ce récit qui est polyphonique, c'est en fait une notion de durée, comme une espèce de présent qui se déploie et qui se rétracte à son rythme particulier. Je peux dire ça au-delà ou en deçà de la fiction, dont je peux parler ensuite. C'est avant tout cette sensation de durée, une espèce de présent relativement immobile qui se déploie comme ça de façon assez horizontale. Je n'ai pas une conscience tout à fait parfaite de la structure, de la forme, mais ce que je peux dire, c'est qu'elle s'apparente un peu à des grands cercles, comme on en fait en musique, avec des variantes, mais une espèce de retour final. Et du reste, le dernier paragraphe, la dernière page du récit, est pratiquement la première. Pour cette raison-là, c'est un récit qui est assez circulaire. Circulaire avec des entrées et des sorties. Le matériau, ce sont des fausses biographies, des fausses fictions, puisque je suis ethnologue, je m'intéresse beaucoup aux trajectoires et au devenir finalement des humains, je peux le dire comme ça, de mes compagnons d'espèce. Et ce qui me fascine dans la vie, on va dire réelle, et aussi bien dans la fiction, c'est de voir comment les individus arrivent à se sortir de leur devenir ou essayer d'échapper à leurs conditions. Ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Et en même temps, il y a toujours une part d'irréalité. Quand quelqu'un se raconte, en ethnologie, quand on interroge quelqu'un se raconte. On ne sait pas trop si c'est vrai ou si c'est pas. C'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit est vrai, mais les faits ne sont peut-être pas exacts. Et j'aime travailler avec cet entre-deux, c'est-à-dire que mes personnages auraient pu exister pour certains. Certains ont même existé. Et c'est ce rapport entre la fiction, on va dire, au documentaire, à l'historique. Mais je ne suis pas fasciné non plus par l'histoire avec un grand H. C'est plutôt de voir comment ces individus arrivent, malgré tout, à s'en sortir ou peut-être ne pas s'en sortir. C'est ça qui me touche. Et puis après, le deuxième mobile, si on peut dire, de l'écriture, c'est la notion de tout ce qui se rapporte à la rythmicité, à la scansion, à la pulsation. À la limite, je pourrais dire que j'écris quelquefois uniquement pour ça, quoi, pour entendre cette espèce de mouvement de déploiement, un peu comme les wagons dans un grand train de marchandises, on sent que ça brinque-balle. Et cette espèce de scansion interne me plaît beaucoup. J'ai le sentiment à ce moment-là de participer à quelque chose de plus vaste, justement, que mon petit récit, que ma petite histoire personnelle. Je crois que le rythme, c'est ce qui me lie, au même titre que la marche à pied ou autre. C'est ce qui me lie à une sorte de mouvement plus général qui serait un mouvement universel. Enfin, je ne peux pas employer de mots trop religieux. Et c'est ça un petit peu qui me motive quand j'écris, ce que j'écrirai, que ce soit publié ou pas. Du reste, c'est toujours à partir de cette base-là, cette espèce de mouvement, de déploiement, de rétraction dans les trajectoires et puis dans l'écriture elle-même. C'est surtout ça, cette donnée. Après, ces personnages sont des habillages, quoi, des sortes de petites figures de ma mythologie qui renvoient à des questions tout à fait classiques, mais intimes. Enfin, ces personnages sont un habillage. Après, ce que je peux dire,
plus concrètement, je ne sais pas si ça peut être intéressant. En fait, j'ai très peu d'imagination. Et donc, ces personnages sont puisés dans mon environnement intérieur, si j'ose dire, immédiat, quoi. Je n'ai pas tellement fabulé. J'ai essayé de mettre, voilà, comment on dit, des petites mounaques, là, des petites marionnettes qui sont l'incarnation de quelques questions assez fondamentales. Je crois que les lecteurs pourront, c'est déjà le cas, s'amuser un petit peu à voir vers quel personnage ils sont attirés ou vers quel personnage ils fuient ou ils oublient. Et moi, le premier d'ailleurs, souvent j'oublie des personnages quand je voudrais refaire un petit peu le tour de piste de cette mythologie. Voilà à peu près l'enjeu, je crois que c'est ça, cette question de la rythmicité, puis du trouble que l'on peut ressentir face au réel, dont on ne sait jamais si c'est vraiment de la fiction ou si c'est quelque chose qui a une profondeur.